délicieux. Et elle a aussi une riche expérience aussi en tant que délégatrice de e-commerce. Donc, avant de commencer, je laisse à vous d'apporter le dessert. Donc, on aura probablement quelques minutes de questions-réponses pour réagir à ce qui se passe, se dire, et surtout aussi pour poser certaines questions qui peuvent aussi concerner tout le monde. Donc, la question classique de départ, e-commerce tunisien, où en sommes-nous actuellement? Donc, c'est un peu pour synthétiser ce que vous avez dit tout à l'heure, mais si vous avez des choses à ajouter. Si vous l'avez bien,
stade, c'est une défaillance de marché. Mais je fais les téléphones calme Oise. Mais le problème, ce n'était pas la poste, ce n'était pas l'accès. Le problème, c'est le marchand, en fait. Je pense que c'était chez Grimaud. Par contre, là, j'ai l'histoire de ma femme. Ma femme, ça fait plus d'un mois, elle a acheté un truc d'un pâtissier, un pâtissier, un truc qui depuis mon anniversaire, donc dans la touche de commerce. Donc, elle a acheté sur un site marchand et ça coûte titinard. Donc, après deux jours, elle a récupéré ça le bureau de poste, le berge du lac, d'accord. Et ça lui a pris 5 minutes en fait. Elle a reçu un SMS. Elle a 5 minutes. Et c'est très pratique en fait. Elle a payé à la poste. Je sais pas, on cache un champ. Et donc en fait, une énorme expérience vécue en fait. Donc, nous, on a des atouts. Je serai de moins ça, mais on a des atouts. 1000 bureaux de poste, là, quand même. 1100. Il n'y a aucun opérateur, nous, qui peut avoir cette qualité de service, cette proximité. Donc c'est important à donner pour comparer avec la France. Je sais que la France, il y a des coupes budgétaires, c'est difficile, et donc on a une qualité de service, un service public, et lui, généralement, on a dit, maintenant, vous pouvez vraiment en fonctionner, mais je suis d'accord avec le chef, ça se mouvait, il y a des choses, il ne faut pas attendre au gouvernement. Le gouvernement, 600 000 fonctionnaires, et ça va être compliqué qu'il les résolve. Donc il y a des choses, et puis les start-up, qui peut vous autres. Mais maintenant, la question, est-ce que le problème, c'est le consommateur, c'est le marchand, c'est le gouvernement? Je pense déjà, quand je marquais le paiement ou PayPal, je pense qu'on ne va pas réinventer la roue. Quand vous mettez au Amazon, il faut PayPal, il faut 10 SMT. Le monde ne travaille plus avec les monopoles. Et il faut le dire pour tout. Il ne faut pas parler ni commerce ni commerce du tout. Il y a quand même un SMT pour lequel ربكم العرب نحكي مع حد انا هنا انا برك نعرف نعم دونك يفو تي ريفو بور تو لي كوميرس دي ميري دو لي كفا مونو ذاك كنت في سيكو مابل تي على راه سي احمد محجوب الا في لي كان واحد مشى كان سي احمد محجوب هو من بون بيان جيتينا اون 2001 قبل ندخل تونسيان مي سي بلو بوسيبل اليوم هذا سي بلو بوسيبل اي دونك اوني اليوم فما مونوبول فما ناس يحبوا البنك ou j'ai le flou, c'est là. Donc il faut le dire pas pour tout. Laissez le commerce électronique, laissez le commerce là. Donc c'est important de casser ces monopoles, tout simplement. Il faut PayPal, il faut d'autres moyens. Il faut qu'on invente des moyens. Hein. Mais il faut s'ouvrir à tout le monde. On ne va pas réinventer l'amour. Nous, PayPal, c'est une machine, c'est une grosse machine, mais on ne peut pas réinventer. C'est comme si on veut réinventer Visa. On ne peut pas réinventer Visa. Donc ça, c'est important. Quel consommateur? C'est important d'éduquer les jeunes. Les moins jeunes, ils ont le sous matière rouge. Donc les produits, on a déjà l'histoire en fin de produits parfois, fin de produits, il est impossible de retrouver chez Carrefour le budget. Donc l'importance du produit, il faut que ça coûte moins cher. Et donc là, le rejoint Manuel Laurent, il n'y a pas assez. Ils aiment la plus chère de pierre. Ils aiment la première histoire, le premier c'est le premier qu'on vous dit. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et sans si internet, sans si marchand, c'est pas assez. Donc il faut une spécialisation. De batterie, ou ta spécifique, ou ta télé, donc il faut, il y a batterie.tl, il y a lampe.tl, pareil, après chez lampe, ça ne demande pas que tu penses. Donc il faut avoir des sites spécialisés de lampe, des sites spécialisés. C'est très important, vous voyez, je vous parle aux étudiants, il y a une loi fondamentale de marketing, c'est la subdivision. Enfin, il n'y avait que de l'eau, l'eau de robinet. L'eau de robinet, l'eau plate, l'eau gazeuse. Là où l'eau fait avec l'énergie que j'ai. Donc c'est très important qu'il y ait des sites spécialistes. Donc batterie.tl, chaussures.tl, etc. Et donc je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place. Il faut avoir un service de qualité et il y a de la place. Donc là, j'ai un temps de question au gouvernement. Donc comme la législation. Ouais, on n'a pas de gouvernement. Ok, merci. Très bien. Donc je vais aussi rebondir sur un autre, sujet. Qui est aussi lié au paiement, mais pas uniquement, qui concerne la logistique. C'est quand on parle souvent du cœur du commerce électronique et de la logistique. Et on compare souvent les pays européens par rapport à l'Amérique du Nord. Et j'ai lu quelque part que finalement, l'Amérique du Nord, et en avance, et notamment l'Europe du Nord aussi, et en avance en e-commerce, essentiellement parce qu'elle est en avance en logistique. C'est-à-dire, les
avait des universités à distance, il y avait des sites de commerce à distance, on commandait par téléphone ou bien par courrier en fait. Et donc finalement, quand le commerce est devenu, donc il y avait déjà une infrastructure logistique, il y avait déjà un système de livraison qui était performant. Actuellement, c'est que on n'est pas encore dans cette culture d'achat à distance, et en plus, on est dans la technologie et dans le e-commerce. Donc, par rapport au système de livraison, Simon, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la livraison des colis en Tunisie? D'ailleurs, je ne sais pas, mais je me rappelle que dans le bureau de Nihed, il a toujours son premier colis, je crois, qu'il a commandé, et il l'a gardé encore en 2006. Donc, ça m'a marqué, oui.
troisième sujet épineux aussi, c'est la protection des données personnelles et la lutte contre le spam. Si vous êtes, où en sommes-nous actuellement? Qu'est-ce que vous pensez de ce problème? Donc, je voulais avant tout profiter pour remercier les étudiants, les professionnels donc, pour être ici dans ce séminaire. Donc, avant de parler de protection et tout, donc juste, je veux. C'est la culture, le forêt, c'est une culture. Donc, je l'appelle parfois, c'est comme le Tao, ça dit, c'est une culture qu'il faut connaître. Qui m'a dit, Hajj, dans le monde, il faut réfléchir du commerce. Sur ma lettre, le commerce, là, c'est en logistique, c'est en paiement, c'est en livraison, et en fait, c'est une chaîne. Une chaîne complète, juste comme tu as dit, c'est un peu tard. Donc, cette chaîne, c'est là où je suis, c'est un peu tard. Faire la logistique, faire un paiement, donc c'est une chaîne complète. Vous voyez, différence, une chaîne, peut-être le commerçant, peut-être la logistique, peut-être l'internet, donc t'as-t-il le pichet et automatiquement t'as-t-il fait une phase. Donc à l'avenir, c'est pour ça, donc on va faire un fan, c'est steak par internet, j'ai un steak, c'est pareil, quand on va faire un fan, we're out of the way, toi il y a la réalité. Alors en fin de compte, l'e-commerce, c'est une perception pour la e-commerce. Femme de rester chez Goulou, femme de rester qui font du chiffre d'affaires, femme de rester à la triade. Donc, rien d'après toi, l'e-commerce, ou juste dans le planète, moi, je suis avec l'e-commerce. C'est une taf, pas j'ai une équipe qui parle. Je me suis dit, on fait des titres, ça va pas. Récemment, c'est des points de vie, il y a un code de la mobile, un phone show. Donc, c'est des choses que chaque jour, on espère en tant que force ou pour l'aïchaïet. Peut-être que la France, c'est sûr, après. Ce modèle-là, c'est un modèle accueilli. Donc là, je vous parle de la base.
bataille du ministère de technologie, c'est l'infrastructure. Et que c'est très important de travailler sur l'infrastructure, parce que plus on a une infrastructure performante, le reste va suivre. Donc, et c'est sur ça, sur ce point-là, que concentre le ministère sa stratégie. On est conscient de la nécessité de travailler sur un code numérique pour numériser tous les échanges dématérialisés, voilà, entre B2C, B2B, voilà. Donc aussi, ça fait partie aussi des priorités du gouvernement. Il y a déjà des ateliers participatifs qui ont été lancés et que pour travailler, pour réfléchir sur ce code numérique, comment l'écrire, comment le présenter et comment après le rendre opérationnel. Et comme a dit monsieur le ministre ce matin, ça serait, on espère, opérationnel à l'horizon du courant 2016. Voilà, juste pour revenir plus très rapidement, tout à l'heure, monsieur Anou, vous avez parlé du fait que les entreprises n'ont pas assez d'informations sur les tendances du marché numérique. Désolée, j'ai eu pas n'importe quoi, peut-être c'est pour ça. Voilà, donc je voulais juste, pour répondre à ce point-là, le ministère aussi travaille sur un projet d'observateur de la deuxième technologie. Voilà. Justement, un outil pour les entreprises pour qu'elles puissent suivre les tendances du marché. Voilà, c'est en cours de cadrage en ce moment et ça fait aussi partie des priorités du. Voilà, exactement. Des priorités de l'extrême demande de business. Non, je pense que c'est bon. En tout cas, vous donnerez la parole après si vous avez quelque chose à ajouter. D'ailleurs, je m'intéresse là réellement, peut-être que ça intéresse aussi tout le monde, le côté entrepreneurship, le côté création d'entreprise. Donc, j'aimerais bien avoir l'avis de Sirissa Mif et de INEP par rapport à la création d'entreprise, rassembler ces deux questions sur la même thématique. Quels sont les facteurs clés de succès pour réussir? Et si INEP va parler un peu côté.
paiement, voilà, des données personnelles comme adresse, nom, paiement, ainsi de suite. Voilà. Bon, ça, le satisfait au remboursé, c'est très important parce que ça permet d'utiliser aussi le client. Maintenant, le deuxième point, le deuxième facteur clé de succès, il faut surtout avoir une vision stratégique et élaborer un plan marketing. Donc, gagner la confiance, vision stratégique. Ça, c'est très important. La vision stratégique et les plans marketing, ça constitue vraiment la partie la plus importante en termes de budgétaire. Il ne faut pas négliger ça. Ça dépasse de loin la partie création du site web et développement des sites de site web. C'est très simple. On peut avoir la boutique, la plus belle boutique, et si personne n'y va, on ne va pas vendre. Donc finalement, le e-commerce, c'est avant tout et surtout du commerce. Et à chaque étape du processus d'achat, depuis la recherche d'informations jusqu'au service après-vente, que ce soit à 100% en ligne ou bien à 100% physique, parce que dans la réalité, on fait des va-et-vient entre le physique et l'online, c'est pas toujours du 100% online, c'est pas toujours du 100% physique. À chaque étape, il faut mettre en valeur l'entreprise et surtout gagner la confiance de l'internaute. Il faut gagner la confiance de l'internaute, il faut connaître sa cible. Parfait. Je vous raconte. Petite, exactement. Moi, ma mère, quand elle me voit, on m'a donné 1h15 et maintenant on m'a informé après que c'était 1h. Mais on va manger un peu du temps. Ok. Oui. Juste pour schématiser le concept de marketing, de connaissance de la cible, moi, ma mère, quand elle me voit travailler sur mon PC, elle me pose toujours la même question. Oui, Dimitri, je vais me fichier chez nous. Ben, c'est normal. Pourtant, elle est branchée à Internet. Elle est sur Facebook. Elle lit les journaux électroniques, ainsi de suite. Mais moi, personnellement, elle n'est pas dans ma cible. Par contre, ma soeur, oui. Quand elle me regarde travailler, elle trouve ça cool. C'est sa portée de main, elle aime ça. C'est une mentalité. Exactement. Donc, il faut savoir, il faut connaître son produit et le cœur de sa cible. Pour pouvoir mettre en avant son produit. Sinon, on peut avoir le meilleur produit dans le monde.
permettre que le management permette du business, il faut que le manager, les investisseurs, il faut qu'ils soient convaincus. Aujourd'hui, il y a un problème parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs, ils ont beaucoup d'argent à investir. Comme on a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait, il y a aussi d'autres fonds d'investissement. Ils ont un problème parce qu'ils ont de l'argent, ils n'ont pas pu trouver des projets crédibles. Et c'est, on va dire, dans un projet où il y a tout un écosystème. Donc, pour essayer de positiver comme l'événement qui est très positif, je pense qu'il faut travailler en équipe. Le co-working, aujourd'hui, c'est tout un système. Pour réussir un projet de commerce, il faut les grands, il faut les petits, il faut les étudiants, il faut les investisseurs, il faut les banques, il faut les CFP, il faut la poste. Donc, on manque de culture, de travail en équipe. Il y a beaucoup de choses à développer. Il faut développer l'entrepreneuriat pour essayer de développer le commerce. Donc, c'est une culture plutôt que de technologie pour bien d'obstacles, des moyens. Et voilà. Avant de donner la parole à Simon, ça c'est pour la bière. Donc, là, je vais peut-être aussi que vous allez me répondre à la question du financement. Est-ce que vraiment, comme une start-up, il y a vraiment un potentiel pour les business angels, pour les capital risqueurs? Mais on parle entre parenthèses, on est influencé Laurent par la culture francophone, c'est-à-dire le terme capital risque en anglais, c'est venture capitaliste. Quand on le traduit en français, on a vu l'élément risque. Donc on a enlevé le côté défi, aventure, et on a mis donc par rapport à ce point. Oui, par rapport à ce point. Si, c'est ça. En fait, dans e-commerce, c'est commerce. Parlons un peu de commerce avant de rajouter le prix. En fait, en Tunisie, il y a, comme vous le savez, 2,7 millions de femmes. Donc, the main is running by. Donc, la consommation moyenne, c'est à peu près, je vais faire du macroéconomique. C'est 10 000 dinars par an. Donc, on a 27 milliards de dinars de consommation. Le commerce électronique doit se greffer dans cette consommation globale. Voyons au Tunisien qu'est-ce qu'il consomme. Parce que ça, c'est important dans tout le plan. Si demain, des start-upers, et je vois beaucoup d'étudiants, là, on a beaucoup de start-upers, ils vont aller voir des financiers, que ce soit des banquiers ou des capitalistes. Il faut partir ce qui est macroéconomique. Donc, ces 10 000 dinars de dépenses moyennes par famille, où est-ce qu'ils vont? Le tiers, le tiers va pour la bouffe, l'alimentation. Donc, un bon tiers. Ensuite, 20% pour l'habitation. Ensuite, on a 3 fois 10, donc habillement. Ça, c'est important pour le commerce. Et on a, dans les comptes un peu moins, et on a transport et hygiène. Donc, hygiène et santé. Donc, il reste quoi? On a 3 fois 10, plus 20, plus 35, il reste 15%. Dans les 15%, il y a 4% télécom et 4% loisirs, et là, c'est important. C'est important. Là, tout à l'heure, je voulais revenir à l'accès. Tout à l'heure, je voulais acheter un billet, autant que je pêche. Et moi, c'était une vie, allez, moi, c'était une vie, mon portable n'a plus de charge. Et la 3G, on s'en fout. Donc, moi, c'était une vie ici, là, je suis le responsable, je dis, le Brazil, le vit ici, il faut un accès. Et c'est pas normal. Nous sommes le Brazil, technologie, on n'a pas un accès. Donc, je n'ai pas pu acheter mon billet électronique. Donc, un consommateur. Non, il y a un problème. Il faut qu'il soit ouvert. Comment se fait-il? J'accepte, il faut un mot de passe. C'est quoi cette complication? Il y a des risques, il y a une peur. Peut-être il y a le Brazil qui va entrer, ou DH qui va entrer, etc. Donc, il faut ouvrir. C'est pas normal, il y a un accès, etc. Comment moi, il faut que j'ai un chose dans un travail. Donc, c'est important, il faut ouvrir l'accès. Parce que dans e-commerce. Donc, on laisse là, on lance un appel. Voilà, il faut ouvrir les accès. Donc, forme un acheteur, forme un vendeur, forme un accès. Donc, déjà, il y a un problème d'accès. Là, j'ai la consommation. Donc, je vais donner un peu de propos sur le site de ma boutique. Ok. Donc, il y a des opportunités. Le 10% à venir. Vous avez probablement remarqué les deux juges du ligne, là, qui me contrôlent depuis tout à l'heure. Je vais conclure. Donc, il y a des opportunités. Dans les 10%, ça veut dire quoi 10%? 1000 dinars par famille, il y a des opportunités de l'habillement, il y a des opportunités de loisirs. Donc, maintenant la question, nous sommes en crise économique, il faut partir tout ce qui est matière économique. Nous sommes en crise économique, et c'est pour ça, et nous sommes un petit pays. Dès qu'on commence à réfléchir sur un business model, il faut réfléchir
au moins au niveau mondial. Parce qu'on n'a pas la taille. Vous le reconnaître. On n'a pas la taille économique. On n'a pas la taille économique. Donc si on peut offrir quelque chose, peut-être des Mamelouks, etc., ils ont une assise financière importante pour pouvoir payer des prestataires de qualité, etc., et pour pouvoir résister. Mais pour tout le reste, il faut reconnaître. On n'a pas un marché. Donc ça, je lance un message politique. Vraiment, ça, c'est le rôle politique. Allez-y, créez ce manuel. Pour le reste, on s'en charge. Mais créez au moins ce manuel pour qu'on ait, je crois, on a une finale d'Algérie. Il a fallu batailler pour transformer, pour rapatrier des dinars algériens en Tunisie. Il va falloir acheter quelque chose en Europe, chez nos amis. Après, les euros, il faut les retransformer en dinars tunisiens. Le rôle du politique, c'est vraiment créer au moins ces petits espaces qui est économiquement viable pour les start-up ou autres, et les auront 90 millions d'années. Pour le reste, il y a assez, aussi Mounir, il fait assez de bon travail, il y a assez d'intelligence chez les étudiants pour créer pas mal de start-up. Voilà, je finis. Parfait. Donc, avant de conclure, on s'excuse auprès de nos invités et on a vraiment resté par le temps. Il y a une dernière.